Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Minecraft Lino. Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois on s'est laissé dans notre ferme, juste ici on a posé des potes pour cet enclos qui va nous servir à je sais pas quoi. Mais bon, nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et le truc le plus important à faire c'est... Ah là là! Prendre ceci, parce que je vais faire des bébés avec mes renards. Yep. En fait, quand je ne pourrais pas faire des bébés parce qu'il y a déjà un petit bonhomme qui suit sa mère, ce qui fait que je ne crois pas qu'il veuille manger. Ah, ben, ok, attendez, il y en a un qui a mangé, alors. Allez-vous faire des bébés? Oh! Ah! Ok, j'accepte, frérot! D'accord! Moi, je croyais que ce bonhomme ne voulait rien savoir, là, et puis... Mais bon, les frérots, il faut tout faire en notre pouvoir pour rendre cet endroit super beau, parce que là, je vais vous dire quelque chose. Je ne peux même pas accéder à cet endroit sans prendre des dégâts de cette façon. Aïe, 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 que ça fait mal, oui! Mais bon, comment allez-vous, les frères? Yo, what up? Oh! Oh, oh, yo, comment ça va, mon ami? Ok, non, ce gars-là, là, il est pourri. Je vais rien savoir de lui. Ah oui, en passant, plusieurs d'entre vous m'ont donné des conseils, ont répondu à mes interrogations les dernières fois que j'avais des questions. En gros, vous vous rappelez lorsqu'il y avait des chats ici? Eh ben, je n'en vois plus, là, je les cherche depuis tout à l'heure. Mais des fois, il y a des chats ici, et c'est parce qu'ils spawnent dans les villages. Parce que le truc, c'est que je ne savais pas ça. Moi, je croyais qu'ils tombaient tous d'en haut, mais en fait... Les chats spawnent dans le village directement et plusieurs d'entre vous m'ont dit « Ah, dès qu'il y a un village, les chats spawnent !» Évidemment. Un autre truc que plusieurs d'entre vous m'ont dit, c'est que lui là, il va toujours offrir les mêmes choses, ça va jamais changer. Mais si je veux qu'il change ces trucs, je peux détruire ceci et reposer un autre truc et il va m'offrir d'autres options de trade là, de troc. Alors, il y en a qui me disent que je peux faire ça, il y en a d'autres qui disent non, si tu fais ça, ce bonhomme va reset, il va peut-être un mètre, il va devenir un novice. C'est bien un novice, hein? Attendez une seconde. Ok, ouais, c'est ça. Donc, je ne sais pas si je veux faire le test, mais je devrais essayer ça un jour. Mais je ne veux pas faire ça avec le fléchier parce qu'il m'a coûté cher pour faire des trades. Ah non, c'est pas lui, mais bon, en tout cas, c'est le bonhomme le plus compliqué avec qui faire des trades. Alors, je crois que... Oh, what up, bro? Ah oui! Plusieurs d'entre vous m'ont dit de jouer avec lui parce que plus tard, lorsqu'il va devenir un maître, il va m'offrir des trucs en diamant peut-être. Ah, je ne sais pas si ce sont des trolls qui m'ont dit ça, mais bon. Alors, c'est ça. Je vais essayer de changer les trucs de ce cartographe boy. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais on va le faire! Ah oui, en passant, plusieurs d'entre vous m'ont dit que ce bonhomme, lorsque j'ai pris sa carte d'exploration des océans, je peux retrouver un temple dans l'eau et j'ai déjà exploré ça auparavant. Mais en ce qui concerne ceci, carte d'exploration des bois, ça va me permettre de trouver un manoir et il y a plein de loot intéressants là-bas. J'ai hâte d'aller là-bas! Et ouais, mais bon, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on doit faire ça! Ah là! Alors là, attendez. Ah, il y a toujours la même chose. Alors là, si je repose ça... Bon, peut-être qu'il y a une façon de faire, mais je ne l'ai pas trouvé. Je crois qu'il est super fâché contre moi parce qu'il arrête pas de me coincer partout, il arrête pas de me suivre. Regardez ça, ce gars-là, il est fou! Mais en fait, je crois que je comprends ce qui se passe parce que j'ai détruit ce truc au moins une quinzaine de fois. Je me suis enfui de la maison et puis ensuite, je suis revenu reposer ça. Et puis là, à la fin, il m'offre toujours les mêmes trucs. Malheureusement, peut-être qu'il y a vraiment une façon spécifique de faire ça là. Mais bon, moi, je ne sais pas. Alors, je vais passer à autre chose. Je crois que ces deux bonhommes sont en train de préparer une révolution parce qu'ils ne m'aiment pas comme président. Alors, il faut que je fasse en sorte que cet endroit devienne accueillant. Et comme ça, on a beaucoup de tourisme. Et quand on a du tourisme, eh bien, on a beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'ils aiment. Alors, pourquoi pas? Alors, pour ce faire, il me faut un escalier de la mort qui mène vers le haut. Et il faut que je fasse ça au milieu de cet endroit. Alors là, il faut que je compte tous les blocs de gauche à droite et trouver le milieu. Le juste milieu. Selon mes calculs professionnels, il y a 52 blocs de largeur. Donc, en gros, il faut aller au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26e et 27e bloc. En gros, il faut que je fasse mes escaliers ici. Et là, ce que j'avais prévu de faire, c'est faire un escalier simple. Vous savez, qui mène, disons, de là jusqu'à ma ferme. Mais là, je me suis dit... C'est beaucoup trop gros pour rien, c'est pas pour ça. Genre, ça me tente pas de faire quelque chose comme ça. Attendez une seconde. Je vais vous montrer vite fait, bien fait. En gros, l'escalier pourrait ressembler à ceci. Quelque chose de simple. Comme je continue à creuser de cette façon jusqu'en haut. Mais ça prend beaucoup trop d'espace. Ce n'est pas unique. And I don't like this. Selon moi, faire un trou comme ça va faire en sorte que mon projet soit perfecto. Vous allez voir. En gros, il faut commencer les escaliers ici. Alors... Pour ce faire, je crois qu'il faut taper ça comme ça. Et là, il y a des zombies ici. Et là, ce n'est pas bon. Alors, il faut juste continuer des escaliers par là. Attendez, et ensuite, comment je vais faire ça? J'ai vraiment aucune idée. Attendez. On monte deux escaliers, deux escaliers, deux escaliers, deux escaliers. En gros, si je détruis ça comme ça et ensuite je fais des trous ici et là, je sais que vous comprenez rien, mais en gros, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez, genre, je continue, je continue, je continue et puis là, ça va donner un joli projet. Je sais pas honnêtement. Je crois que j'ai bientôt terminé mon projet. En gros... Ah, ok, voilà, voilà, voilà. Alors là, donnez-moi une petite seconde. En gros, faudrait que je fasse ça comme ça. Ensuite ça comme ça. Et là, mon escalier est enfin terminé. Et puis je crois que je vais faire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que je voulais pas faire en sorte que cet escalier... Aïe, tout là-bas, non, oubliez ça les potos, non. Si vous voulez accéder à ce village, il faut passer par un tunnel secret. C'est magnifique. Et là, ok, j'espère qu'ils vont pas venir exploser ici parce que là, s'ils font ça, c'est fini pour mon projet. Selon moi, avec cette clôture, je devrais avoir assez de trucs pour faire ceci comme ça. Attendez. Ah ben voilà. Oh, attendez, vous savez quoi? Je vais juste faire ça comme ça. C'est ça comme ça, parce que j'ai pas besoin de mettre de barrière là-bas, selon moi, hein? Non, 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 non. C'est juste qu'ici, j'aurais bien voulu mettre des... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle encore? Les portières. Maintenant, je vais mettre ça pour l'instant parce que j'ai un autre projet à faire ici plus tard. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pris de la roche pour remplacer ces trucs-là. Parce que là, je vais vous dire quelque chose, ça fait l'air. Alors, si je mets ça... comme ça partout, ça va rendre l'endroit plus beau. Mais peut-être que je peux même mettre de la roche lisse. Oh, en fait, c'est de la pierre lisse, pardon, je me suis trompé. Bon, mais quand t'as pas un choix, je vais aller chercher d'autres roches comme ça. J'en ai une tonne, alors c'est pas si grave que ça, même si j'en gaspille un peu par-ci par-là. Et là, ce que je vais faire, c'est me confectionner une tonne de four. Et là, je viens de remarquer que j'ai pas assez de charbon. Ah, il y a tellement de trucs à prendre, c'est pas croyable, amigo. Il faut que je me construise des fours. Et avec cette four, je devrais pouvoir faire de quoi d'intéressanto, amigo. Alors, pour l'instant, on va poser ça là comme ça. On va distribuer... 8 charbons partout, ainsi que mettre des roches comme ça. Voilà, je vais faire ça à longueur de journée pour tous les fours qui sont là. Je n'ai pas assez de roches malheureusement, mais je crois qu'avec un stack de... Ouais, avec les stacks que j'ai ici, je ne devrais pas avoir de problème à construire ce que je veux. Si j'ai besoin de plus de pierre lisse, ben, je vais aller en cuire plus là, mais... Ouais, avec 3 stacks complets de... peut-être que je n'en ai pas assez. Ah bon! On verra. En attendant que mes roches se font barbecuer pour devenir de la pierre lisse, on va compléter un autre projet. Et pour ce faire, il me faut beaucoup de bûches de boulot. Ben, assez de bûches de boulot. Je vais prendre un stack au complet. Je crois que ça va être Guido. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est faire une mini-ferme en bas pour aider les villageois à survivre. Parce que s'ils n'ont pas de bouffe, eh ben, ils vont crever. C'est aussi simple que ça. Les potos, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais... Oh! Wow! Attendez, attendez. Est-ce que c'est toujours comme ça l'Halloween? Parce que je suis en train de regarder ça le 31 octobre là et... What the hell, brothers? Ça c'est vraiment bizarre les potos! Oh, oh, oh. Mais bon, en tout cas, je suis venu ici pour prendre un peu de... Ah, j'aurais dû prendre ma pioche en diamant qui a fortune 3, j'aurais eu plus de graines. Mais bon, c'est pas grave. En gros, je viens ici pour prendre de la graine. Et de cette façon, je peux faire ma mini-ferme. Et là, j'ai un petit peu trop de graines. Et là, je vais vous dire quelque chose aussi. Je sais pas... qui a détruit ma ferme, mais il faut que j'arrange ça. Ce sera pour le futur, mais bon. Alors, je vais prendre du blé, oubliez la canne à sucre, je vais prendre... Oh mon Dieu, ces petits bonhommes là! Voyons donc! Ah là là là! Ce n'est pas bon ça! Je vais m'en faire, je vais m'en faire, je vais pas me faire avoir par vous, non! Ouais, les petits zombies, les petits creepers, allez-vous-en! Hiya! Personne ne pourra venir maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est... Désolé. C'est dormir tranquille, relax sur un lit... que quelqu'un n'a pas utilisé encore. Ha! Ok! 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 Bon, est-ce que j'utilise mon propre lit? Je ne veux pas dormir dehors, alors... Oh, les maudits, ils ont rien... Les petits égoïstes, ils ont tout utilisé. Alright, c'est bon, je vais sortir mon petit matelas. Parce que là, je n'ai pas le choix. Et ouais, c'est un matelas gonflable. Ce n'est pas un lit. C'est totalement différent. Et là, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai même plus besoin de ce truc-là. Hé, les potos, pourquoi laisser ça là quand je peux monter et descendre Attendez, rapido presto avec mon nouvel escalier, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, bye bye petit bonhomme, petit pilier, tu m'as bien servi. Alors, je vais me confectionner une tonne de clôtures par-ci par-là et on va faire de l'agriculture. Pour économiser le plus d'espace possible, il faut que je fasse ça ici, de cette façon. Alors là, si je fais ça là, il y aura seulement 3 blocs de bouffe. Non, ouais, on va mettre ça là au moins. Ensuite, ça ici, comme ça, ça va faire 1, 2, 3, 4. Ouais, ok, un petit 4x4 si je peux dire ça comme ça. Et là, c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de planches de boulot. De cette façon, je peux faire beaucoup de clôtures. Attendez, et là, il faudrait vraiment que j'arrange le problème des zombies qui font ra 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 à longueur de journée, hein. Mais, ok, ouais, c'est juste que la porte là... En fait, vous savez quoi? Je crois que je vais allonger le tout d'un bloc. Comme ça, au moins... la petite portière va être bien mise au milieu de l'endroit, comme ici. Ouais, magnifique. Godema, protector of the prison. Je ne sais pas s'il veut faire de quoi à moi. Il croit que je suis un ennemi ou quoi? Regardez, il m'observe depuis tout à l'heure, frère. Voyons donc. Mais bon, ce bonhomme-là, il arrête pas de me bloquer depuis tout à l'heure. Et puis... ça va super bien parce que là, j'ai 3 enclos là-bas et j'ai fait le, comme disons, j'ai pris le nombre de blocs exact pour faire mes clôtures parce que de cette façon, ça va bien avec l'entrée. Vous allez voir le résultat final, vous allez comme, oh my god, Polo, wow! Je peux voir que tout est tiguidou ici, alors j'ai 64 plus 64 plus 64 pierres lisses. Je vais les utiliser après. Pour l'instant, tout ce que je vais faire, c'est me diriger en bas et terminer le Farming Simulator. Et de cette façon, on peut passer à autre chose. Alors, je fais en sorte que tout ce qui est agriculture se retrouve à droite et tout ce qui est... Oh, attendez! Oh, j'ai foiré mon coup ici! Oh, c'est pas bien aligné, voyons donc! Honnêtement, je fais beaucoup de gaspillage de ressources, mais je suis trop paresseux de retourner vers ma base. Et là, je veux voir quelque chose. Attendez une seconde. Je veux voir s'il y a des zombies avec une tête de citrouille, mais comme les zombies adultes. Ok, pour l'instant, je ne vois personne. Oh! Ok, il y en a qui ont des têtes de citrouille. Oh! Je crois qu'ils m'en veulent, mais... pourquoi il n'y a pas de tête de citrouille? Bon! On dirait que ce sont seulement les élites qui peuvent avoir ça parce que là, je vois qu'il y a un autre paysan ici. Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de procrastiner comme ça. Ce n'est pas pour les poteaux. Mais bon, il faut mettre de l'eau... Attendez. Si je mets de l'eau ici, est-ce que ça peut couvrir tout? Attendez. 1, 2, 3, 4... Non, ça couvre pas tout. Ok. Ça, quoi, on va juste mettre de l'eau partout, par-ci, par-là. Ce n'est pas si grave que ça. Et là, ça, c'est super laid. Alors, on va mettre de la terre à la place. Comme ça, c'est plus beau, si je peux dire ça comme ça. Et comme vous l'avez vu, j'ai 3 seaux d'eau avec moi parce que je suis déjà prêt. Voyons donc. Alors, on va travailler la terre. Farming Simulator pour mes petits pépitos. Et ici, on va mettre... du blé, ouais, pourquoi pas? Let's do this. Je fais tout pour que mes villageois se nourrissent de ça. Et là, je ne sais même pas ce qu'ils mangent. J'ai pas fait de recherche. Je ne sais pas s'ils mangent des patates, la betterave, si ça. J'ai vraiment aucune idée. Moi, je fais juste mettre de la bouffe comme ça pour mettre de la bouffe comme ça. Alors, ceci sera mon champ de carottes, amico. Et là, oh, attendez, l'eau. Attendez, vous voulez dire que cette eau, ça va jusque là-bas? Ah, ok, non. Pendant l'instant, j'ai cru qu'il y avait un miracle qui s'est passé, mais bon, écoutez, il faut pas trop croire au miracle, voyons donc. Bon, alors comme ça va être parfait. Ta 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 parapat, et la ta ta ça pa si pa oh hi ka ka ka. Voilà. Moi, honnêtement, je fais juste ça pour le plaisir. Il n'y a pas de truc utile à ce que je fais. Je fais ça juste pour m'amuser, pour le fun. Ça y est. Pour nourrir mes villageois parce que là, ils doivent manger, même s'ils ne mangent pas de carottes. Honnêtement, je sais pas, je devrais faire des recherches là, mais bon. Patate, c'est à ton tour d'être posé ici, tôt. Et là, il faut que j'amène 3 autres animaux ici. Je ne sais pas ce que je vais amener encore, mais j'ai encore, quoi, 30 secondes pour réfléchir. Alors, attendez. Voilà. En ce qui concerne l'agriculture, c'est terminé. On va chercher des animaux maintenant. Un élite s'est caché dans cet endroit. C'est ma maison. Voyons donc. Je sais même pas comment il est apparu ici. Mais là, j'ai envie de savoir quelque chose. Est-ce que je peux récupérer la tête citrouillesque de mon ennemi si je le tue d'une façon spécifique? Je sais vraiment pas là, mais j'ai oublié pourquoi je suis venu ici. Ah oui, c'est vrai. Il fallait que j'aille dans mon garage parce qu'il y a quelque chose à prendre, c'est-à-dire des laisses. Ici, parce qu'il faut que j'aille chercher ces animaux et que je les amène en bas dans le nouveau village, voyons donc! Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai retrouvé deux cochons dans cet enclos, ils se cachent là, attendez. Ruben numéro 1 et Ruben numéro 2. Bon ben j'ai mes deux cochons, il faut que je ramène des vaches aussi, alors je crois qu'avec ces bonhommes ça va être perfecto. J'espère juste qu'il n'y a pas d'autres bonhommes qui vont... Ah! Attendez, malaise, voyons donc! Attendez! Ok, attends, hold up, si je fais ça comme ça... Ok, voilà, perfecto. Non! Bon, ben, écoutez, j'ai deux sticks de plus. Ce que j'aurais pu faire, c'est prendre des œufs. Mais je ne vais pas prendre des œufs, je vais prendre des poules matures. Et de cette façon, mes petits bonhommes, je veux dire mes villageois, ils vont être super contents. Parce que les œufs, là, ce n'est pas trop bon. Alors, j'ai une tonne d'animaux ici. On va tenter de voler comme un fou vers la ferme. Ah non, c'est vrai, la dernière fois, j'ai tenté de faire ça avec des poules. Et ça n'a pas trop bien marché, j'ai presque crevé. L'heure est venue de prendre des présences. Alors, Martino, Martinez, Pepito, Pepitas, et puis Pudetto, Makiko. Ok, ils sont tous là, perfecto, parce que là, si je prends pas des présences et que je perds un petit bébé, eh ben, je serai dans le trouble, hein? Regardez ça! Oh my god, ça marche super bien, c'est super drôle! J'ai juste peur que mes laisses se détruisent et que mes petits animaux s'enfuient, mais tout a l'air correct pour l'instant. Yes! Alright! Donc, les vaches vont être ici parce qu'ils sont les plus importants. Ensuite, les poulets ici pour faire des œufs et les cochons ici. Et ouais, oh, c'est bon ça, je trouve. Avant de les encager, j'ai envie de voir si le golem considère ces bonhommes comme étant des ennemis. Non? Ok. Ah, ok, c'est bon, d'accord. Bon, je peux enfin les encager. Alors, ça va être dur de les amener là, hein. Pour les poules, c'est petit guidou, c'est facile, là. Mais c'est les vaches que je vais amener là. Ah, ok, j'ai réussi. Ok, frère. Yo, Ruben? Ça me tente tellement de le tuer en ce moment. Si j'ai réussi à amener Ruben ici... Ah, ok, c'était beaucoup plus facile que tout à l'heure. Donc, en gros, tout est tiguidou. Honnêtement, les laisses sont tellement utiles. Ça me tente d'avoir une soixantaine de laisses avec moi et de faire des trucs intéressants, là. Mais bon, pour l'instant, ça va être ça qui est ça. Alors, attendez, j'aurais dû mettre des trucs ici qui me permettent de nourrir les animaux ici. Par exemple, attendez. Il me semble que j'ai des carottes, alors je pourrais nourrir les Rubens. J'ai du blé ici, alors je peux nourrir les vaches. Mais, ok non, j'ai vraiment tout pour les nourrir. Oh, tout était prévu! Maintenant, je vais ramasser les petites crottes qui sont là et, oh, il faudrait que je mange un peu parce que je suis en train de crever de faim. Et là, je devrais pas manger ça devant eux parce que c'est comme si je suis en train de leur dire qu'ils vont crever. Ce n'est pas bon, ça. Mais alors, on va ramasser les petites crottes qui sont là. Ensuite, on va poser ça partout. Ouais, je mets ça aux quatre coins de la rue parce que... j'ai envie de le faire. Eh oui, j'ai très bien dit aux quatre coins de la rue et non aux quatre coins de la clôture pour la simple et unique raison que... Oh, est-ce que tu veux avoir un bébé? Attends. Hold up, frérot. Je sens que je vais gagner à la loterie avec ça. Alors... Ok, c'est pour ça que je joue pas au casino. Mais ouais, j'ai bien dit quatre coins de la rue parce que... Ouais, je dis ça pour le plaisir. Ne cherchez pas la logique derrière ce que Polo dit, sinon vous allez vous casser la tête pour rien. En fait, vous savez quoi, je crois que je vais enlever ces torches parce que ça fait en sorte que ça devienne laid, là. Parce qu'il y a tellement de torches partout que si j'en rajoute ici, on dirait qu'il y a une révolution et je n'aime pas ça. Alors, je vais juste reprendre tout ça, je suis vraiment désolé. Parfois, on fait des erreurs. Oh, cette fois-ci, je sens que je vais gagner à la loterie. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Ne m'amenez jamais jouer au casino. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je sens que ce village est vivant, entre parenthèses, à cause des animaux, des trucs agriculturesques, des villageois, du golem. Je sens que c'est comme un village généré naturellement. Mais, sauf que c'est moi qui l'a généré. Ok, non, ça c'était vraiment bizarre là, mais bon. En tout cas, j'ai des roches lisses à prendre et là, faudrait que je me fasse un peu d'espace. Et je crois que j'ai pas besoin de cuir parce que j'ai une tonne de cuir à la maison. Alors, l'heure est venue de tout détruire et de tout remplacer par de la roche lisse. Ça va être long. Mais on va le faire. Le boulot est bientôt terminé. Je vais vous dire quelque chose. J'ai décidé de laisser les escaliers, les marches, ouais, plutôt, en roche. Parce que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus beau. Et là... Oh! Attendez, this is no good! Est-ce que je dois laisser ça en roche? Oh! Oh my god, qu'est-ce que je fais? Je le laisse en roche pour faire en sorte que toutes les marches soient correctes? Ou... je les transforme en pierre lisse pour que le mur soit correct. Parce que là, c'est ça, j'ai pas transformé les marches en pierre lisse. Comme ça, ça fait plus de motifs, ça fait plus beau selon moi. Mais là, peut-être que je dois tout remplacer en fin de compte. Oh, attendez, hold up. C'est quoi? Oh, j'ai une idée. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire ça comme ça. Et là, ça fait un nouveau motif. Ah, Polo le génie! Non, frère, non, ne fais pas ce que tu penses faire. Non, frère, non, c'est pas good, non. Oh, je la sens tellement pas cela. Ok, nice. S'il avait explosé, j'aurais tellement pleuré. Et là, j'ai remarqué quelque chose ici, là. Je devrais faire un petit changement de cette façon. Ah, là, ça fait beaucoup plus beau. Et là, ici, je devrais mettre des pancartes qui disent welcome ou quelque chose comme ça, hein? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. L'heure est venue de travailler sur l'entrée du village, alors tout d'abord, le truc le plus important à faire, c'est mettre 2 portières. Ouais, j'ai bien dit 2 portières. Ça fait un petit peu là, mais pour l'instant, ça va faire l'affaire. Juste pour l'instant. Ouais. On peut même faire une file. Imaginez qu'il y a plusieurs villageois qui veulent venir ici. On peut faire la file, comme 2 files, et là, ah, et ça, comme ça. C'est comme les douanes. Ok, je suis en train de dire des conneries, c'est pas croyable. Mais bon, je trouve que ceci n'est pas trop accueillant. Alors, ce que je vais faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un gros S qui dit Slum City. Alors, pour ce faire, il faut, attendez une seconde, beaucoup de planches épinettes, je les ai avec moi. Alors, en gros, il faudrait que je mette beaucoup de... attendez, ça, ici, comme ça... Ça, ah là là, je peux pas atteindre cet endroit, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Tant il y a aussi longtemps que je peux travailler, moi j'ai que ces petits guidous. Et là ensuite, il faut que je fasse un S. Attendez. Ouais, il faut que je réussisse à faire un S avec ça. Je ne sais pas comment je vais faire, mais c'était ma bonne chance. Je crois que je vais y aller de la manière simple. En gros, je vais faire ça comme ça pour avoir des dalles. Ensuite, ça pour avoir des escaliers. Alors, ce que je peux faire, c'est... Attendez, je sais pas si cela va marcher... Oh, ça flotte, frérot! Really, brother! Holy god damn it! Ok, non, j'avais pas du tout prévu ça, mais bon. Hey, attendez, mais si ça flotte, ça donne un effet dramatique au village, comme si c'est une ville fantôme. Eh, non, ça pourrait marcher. Mais, attendez. Non, c'est pas comme ça que je vais poser ça. Je sais pas comment bien poser les escaliers, malheureusement. Mais je vais trouver un moyen. Non, regarde pas ce bonhomme. Non. Polo? Tu n'as rien vu. Et là, ah là. Ah! Oh! Ah! Non! Yo, je suis niveau 100, les frérots. Je ne peux pas. Hold up! Attends. Je l'ai comme entendu. Ah, hein? What the? Hey, attends. Mais il a volé mon gazon? Mais c'est quoi son problème? Te voilà, mon ami Pepito! Aïe! Je ne vais pas. Attends. Redonne-moi ma terre, frère! C'est à moi! Ok, voilà, je voulais pas utiliser un autre bout de terre parce que ceci m'appartient, c'est à moi. Non, ouais, ceci va ici comme ça, voilà. Maintenant, je peux compléter mon projet. Je sais qu'il faudrait que j'aille dormir parce qu'il y a des ennemis à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais, qui n'est pas téméraire, n'est pas téméraire. Je vais l'avoir dans quelques instants. Let's go, les potos, regardez ça. J'ai un S qui vole. Et vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas magnétique. Bienvenue à Slum City. Oh! Mais je pourrais juste écrire Slum au complet. Oh, let's do this! Oh mon dieu, pourtant je suis tellement fier de ce projet! Alors j'ai terminé Slum City, regardez ça! Oh, attends, peut-être que je devrais rajouter un bloc ici et ça fait plus beau. Et peut-être rajouter des blocs... attendez, hold up! Peut-être que ce n'est pas terminé au complet. Comme ici, peut-être mettre ça là. Et ensuite, ah, non, ne me dites pas que j'ai pas complété ça, non, parce que c'est plus beau comme ça. Le Y est beaucoup plus beau comme ça, alors je crois que si je fais la même chose avec le M, je devrais être Tigidou. Donnez-moi une seconde. Attendez, hold up. Non, ça c'est beau. Il y a sûrement un moyen de rendre ça plus beau, parce que là, je trouve que il manque de quoi ici, Mais bon, je n'ai plus besoin de ces trucs-là. Je devrais peut-être les garder parce que j'arrête pas de confectionner des fours à longueur de journée lorsque j'ai fait des projets. Je me rappelle, j'ai construit des fours, je les ai jetés dans l'océan, j'ai construit des fours, je les ai jetés dans l'océan encore. Et pourquoi il y a de la mauvaise herbe ici? I don't like this! This is no good, brothers! Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre un tas de... Oh, ok, un tas de terre. Je crois qu'avec... Attendez, on va jeter ça. Je crois qu'avec ces stacks-là, je devrais être en mesure... Attendez... ce stack-là, je devrais en mesure de faire de quoi, parce que, vous voyez là-bas, il y a beaucoup d'eau, et je veux recouvrir le tout parce que ça fait l'air. Et ce que je vais faire, c'est pas seulement recouvrir le haut de cette façon, non, je vais tout recouvrir parce que si je ne fais pas, ça va baisser la valeur de mon land, et je ne veux pas que ça arrive. Non, 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 s'il y a des acheteurs potentiels de mon comme pour mon village, eh ben, je veux faire en sorte que le tout soit beau, et s'il faut venir un inspecteur, ils se disent comme, hey, les potos, Polo, construire ça de façon cheap, eh ben, j'aurais un prix cheap. C'est pas bon ça. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est ceci. Et en passant, avez-vous remarqué quelque chose de différent? Hein? Ici? Non, vous avez rien remarqué? Ok, bon, c'est correct. Alors, je suis content du résultat parce que Slum City est en l'air. C'est magnifique. C'est comme une grosse pub pour ce village qui a rien là, mais bon, en tout cas. Alors, il y a encore quelques trucs à faire passer par là, mais malheureusement, je n'ai pas le temps parce qu'il faut que je m'en aille quelque part là. On va continuer ça la prochaine fois. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons terminer la construction de Slum City la prochaine fois. Il y aura juste quelques petits trucs à faire passer par là, mais ouais, j'ai pas pu le faire aujourd'hui pour la simple et unique raison qu'il faut que je m'en aille. Vous avez vu ma tête là, c'est papa chikababa. Le truc, c'est que je suis sorti dehors en famille. J'ai rasé ma tête, on a fait des choses par-ci, par-là en famille. Et là, je suis revenu, c'est juste pour faire ma conclusion. Et maintenant, je retourne dehors. Alors, je suis vraiment désolé, je voulais tout terminer aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps. En tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!